installée dans le quartier des écoles. Et elle aime les jardins, Madame Millot. Et elle cherche une maison avec un jardin à trouver. Rue Saint-Jacques. C'est impasse des Fiorentines. Pourquoi impasse des Fiorentines? Il y avait là un confrère des Fiorentines qui a été sécularisé par la Révolution. Et l'homme qui a acheté les restes de ce couvent, eh bien, le loue à l'appartement. Et Madame Millot loue à la chaussée sur le jardin du couvent. Et l'émerveillement des enfants Hugo, quand ils découvrent ce jardin, parce qu'il est à l'abondance ce jardin, alors il y a toutes sortes d'herbes folles qu'on n'a pas coupées. Il y a des buissons, des tapouettes, et on court, il y a les arbres, et on s'est dit qu'on va pouvoir attacher une balançoire entre ces deux arbres-là. Et on va vivre dans ce jardin qui sera vraiment le plus pur, le plus beau souvenir de Victor Hugo, les Fiorentines. C'est le jardin qu'il nous a retracé dans d'admirables vers que l'on ne se lasse pas de lire, de relire et d'entendre. Sans fleurs de puissance de la
Il est devenu un des personnages les plus puissants de la cour impériale.
Thank you.
C'est l'homme qui lui a enlevé le seul homme qui est aimé. C'est l'homme qui a tué son amant. Alors quand l'Empire s'effondre, quand Napoléon abdique, quand Louis XVIII revient, il est au premier rang de ceux qui crient vive le roi. C'est là qu'a commencé son royalisme, pas du tout sous la Révolution, pas du tout pendant l'insurrection royale, c'est en 1812. Il est devenu royaliste. Pour cause d'amour assassiné. Et le petit Victor, en 1814,
sais pas. On peut pas imaginer quelque chose de plus abominable. Et moi, je dis, je le redis encore, qu'un homme qui se livre à de telles extrémités, bien sûr, est condamnable. Mais un homme ne ferait pas cela si, au fond de lui-même, il n'y avait pas toujours un regret d'un amour qui ne s'est pas enfui aussi totalement qu'il le croit. Ils ne se reverront jamais plus. Léon Paul et Sophie. Et si le général Gouvet mettre Victor Eugène dans une pension, la pension Cavalier, dont il veut qu'elle soit une manière de prison, Madame Hugo n'a pas le droit de voir ses fils, rassurez-nous, le directeur de la pension n'aura pas le cœur de respecter l'interdit paternel. Madame Hugo verra ses fils, mais ils ne sortent pas. Et ils font de bonnes études, tous les deux, très bonnes études même, restent dans cette pension. Peut-être pour se délivrer de cette souffrance qui continue, le père absent, la mère qu'on ne voit que rarement, la tristesse de chaque jour, le manque dans lequel on est, qu'un jour le jeune Victor Hugo, le petit Victor Hugo, se met à écrire des vers. Ces deux premiers vers, on les connaît, sont très intéressants. Il était tout jeune, il n'avait pas 10 ans. On n'en connaît que deux. Et vous allez voir que nous pouvons nous en souvenir facilement. Le grand Napoléon se bat comme un lion. Ben voilà les premières œuvres de Victor Hugo. Alors maintenant, il n'en est pas là. Les vers qu'il écrit sont intéressants, sont beaux, sont émouvants. Et il y a un jeune éditeur dans la pension qui s'appelle Bescara qui les lit. Et qui se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un élève qui a 14 ans et qui écrit déjà les vers d'une assez remarquable perfection. Et quand l'Académie française propose un thème en concours, un concours de poésie, et le jeune répétiteur va encourager Victor Hugo à participer à ce concours, et il écrit une note sur le thème imposé, le donneur peut procurer l'étude. Mais comment la remettre à l'Académie? Il n'a pas le droit de sortir. Et c'est Biscarat qui trouve. Biscarat qui, comme tous les jeudis, qu'on lui la place en promenade, eh bien la promenade le conduit ce jeudi-là. L'Institut, au palais de l'Institut sur le quai Conti. Et la classe s'arrêtera là, et le répétiteur va dire à la classe, vous allez dessiner le fronton du palais, j'en dirai quelques minutes. Et la compagnie Victor, au stade de l'Académie, Victor dépose son poème, il revient ensuite se réunir à la classe. Et quelques temps plus tard, Victor apprendra que l'Académie l'a remarqué. On ne lui a pas donné le prix. Parce qu'il avait le tort dans son poème de se déclarer à deux ou trois lustres. Vous savez qu'en langage classique, un lustre, c'est 5 ans. Et les académiciens, quand ils ont vu que ce garçon affirmait avoir 13 ans, ils enfin, ils veulent nous prendre pour. Pourquoi nous prend-il? Ils le prendront à un pas très dupe. Alors, il avait une mention, mais il n'avait pas le prix. Alors, il a envoyé son extrait d'état civil, son extrait de naissance à l'Académie. Et le secrétaire perpétuel, M. Renoir, qui est actuellement servi à Paris, près de la maison de la radio, et c'est M. Renoir qui l'a convoqué pour lui présenter ses excuses. Pour imaginer le bruit dans la pension, cet enfant de 15 ans, alors il a une autorisation de sortie exceptionnelle, et le voilà lancé. Il continue ses études comme un élève bien studieux, mais il continue d'écrire des vers, il les écrit le soir, il les écrit la nuit dans la mansarde de la pension où il habite avec son frère. Le frère Eugène qui lui aussi écrit des vers. C'est émouvant, ces deux jeunes garçons qui écrivent des vers à la même table, en même temps. Et à 17 ans, il obtient le Lys d'or de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, une récompense considérable. Alors le général Hugo, qui restait en correspondance avec son fils, qui l'envoyait un peu d'argent, pas beaucoup, d'ailleurs il manquait beaucoup d'argent, il avait qu'un costume, ils écrivaient au général, mais enfin nous n'avons qu'une paire de chaussures, de costumes, et quand il pleut, que vous pouvez nous faire, enfin tout ça n'est pas traité, il faut le dire.
Ils sont séparés, mais on a sauvé.
Thank you.